direct du Daytona International Speedway, SFTV vous présente la deuxième ronde du iRacing Challenge présenté par Apex V2R. En vous souhaitant la plus cordiale des bienvenues sur SFTV, votre référence Sim Racing au Québec, pour cette ronde du iRacing Challenge présentée par Apex V2R. Mon nom est Olivier Turcotte, à ma compagnie, j'ai Éric Audrey-Drapeau. Bonsoir Éric. Bien, bonsoir Olivier, ça va bien? Ça va très bien, et toi? On est en forme, on est prêt pour une épreuve qui fait un retour pour une 12e fois du côté du iRacing Challenge. Donc, sans l'ombre d'un doute, une des pistes qui a été visitée le plus souvent, celle du Daytona International Speedway. Évidemment, ben, deuxième épreuve de la saison, encore beaucoup de choses à jouer dans cette campagne qui en comptera 12. Oui, et en fait, on parle de 13 rondes de cette saison, Éric. Donc, vous rappelez qu'on a une semaine de congé, 13 épreuves au total. On en a 12, par contre, qui comptent au classement. Et là, c'est là que je veux te lancer, Éric. Ce classement, après une ronde sur 13, avec un Joker, ça donne donc 12 courses qui comptent. On a un certain pilote qui est amené au 7e rang, mais évidemment, pour lui, ce n'est pas terminé. Je parle bien sûr de Guillaume Lévesque. Absolument. Enzo Johansson qui a bénéficié de cette victoire-là suite à l'incident qui a rapatrié Guillaume Lévesque plus bas au classement. Et avec les points bonus, la 888 a réussi à se hisser là, jusqu'au 7e rang en égalité avec Patrick Bachelard. Comme on peut voir, évidemment, là, l'application des points des 30 premières positions plus les nombreux points bonus disponibles sur la table. Donc, on parle de la pole position, du tour le plus rapide, des pilotes qui n'ont fait aucun incident. Ça a été le cas de deux voitures lors de l'épreuve disputée du côté de Mossport la semaine dernière. Et a également eu deux pilotes qui ont eu deux points bonus pour avoir mérité le fameux Hard Charger, le pilote qui a gagné le plus de positions. Donc, ça nous place avec ce classement qu'on voit à l'écran. Olivier Turcotte en deuxième position et le reste de la grille. Donc, on a la 11e à la 20e place qui défile. Évidemment, on descend là, un point par position jusqu'à la 30e place où on verra là, quelques pilotes qui ont été grappillés. Là, des points qui vont s'avérer précieux, Olivier, là, tout au long de cette campagne avec quelques tracés plus difficiles, plus notables, des nouveautés là, sur iRacing ainsi que quelques, je vais dire, là, courses un peu plus régulières où est-ce qu'on va retrouver là, nos vieux amours comme celui de Daytona aujourd'hui. Donc, on se range jusqu'à François Rousseau qui a récolté un petit point. Évidemment, là, le Joker, on dit qu'il est avec Joker, mais on peut s'entendre, Olivier, qu'avec une seule ronde, bon, il n'y a pas vraiment de Joker de mise en application. Tout de même, ça va être intéressant de voir tous les pilotes qui n'ont pas réussi à faire de points la semaine dernière, comment ils vont s'en tirer là, dans les épreuves suivantes, puisque lorsqu'on parle de lutte là, pour les positions 15 à 30, bien, quelques points là, vont faire la différence à ce chapitre-là, alors que pour les meneurs, bien, évidemment, de rater le top 10 pourrait être extrêmement coûteux dans cette saison. Oui, en effet. Un autre endroit où ça pourrait être coûteux, c'est sur ce classement par équipe. Une nouveauté, ou plutôt un aspect qu'on ramène dans la série qui avait été absent lors des dernières saisons. Je pense, entre autres, voilà, on voit le classement qui est à l'écran. Une égalité quand même entre Montréal Sim Racing et 3 Wild Motorsports qui, quand même, ont des très bons pilotes. Mais en avant, on va l'avouer, c'est un peu une surprise d'avoir l'équipe SFTV. Là, c'est pas là qu'on les voyait du tout au début de la saison. Non, effectivement, puisque Turcotte et Carbonneau ont fait un excellent résultat malgré l'absence de leur coéquipier, votre humble serviteur si présent, avec des malheureusement des complications au niveau de l'horaire qui ont mené à tout ça, mais avec seulement deux pilotes sur les trois de l'équipe qui accumulent des points à chaque épreuve. Ben, l'équipe SFTV avec deux voitures dans le top 10 ont fait le nécessaire. Du côté de Montréal Sim Racing, on a quand même été chercher une très belle de deuxième place devant Tri-Wild Motorsports et Exceed Sim Racing. Qui, on s'entend du côté de Exceed, lorsqu'on compte à un simulation, les ASR X-Able avec Lévesque, ben, on a des favoris là, naturellement en vertu du calibre, mais il faut quand même ramener deux voitures dans le haut du classement en moyenne. Chose qui a été plus difficile à faire du côté de A1 Simulation, alors que seul Enzo Johansson s'était aligné pour cette équipe. Mais cette semaine, ils ont un Jean-Philippe Gendron qui se rejoint
à la formation. Donc, ça va s'annoncer très intéressant. Pour ASRX Able, ben, on a Andrew Caron qui a rejoint également pour l'épreuve d'aujourd'hui. Donc, vraiment, on aura là, un chamboulement dans ce classement par équipe dans les prochaines semaines. Alors que Sim Speed vont chercher la 7e place avec Lemieux et Nadeau. Lemieux qui ne pourra participer ce soir en vertu d'un problème technique à la fin de la qualification. Tragique là, pour cette formation. Alors qu'on verra le reste du plateau défiler au niveau du classement par équipe. Évidemment, classement très jeune après seulement une épreuve. Donc, lorsqu'on parle d'une équipe comme Apex V2R avec, je crois que c'est Bel Air Boulanger qui s'aligne dans cette formation, on s'entend qu'on pourra aller chercher des résultats plus intéressants lors des épreuves subséquentes. Et Olivier, ben, épreuve subséquente, on en a une ce soir qui s'annonce très intéressante. Le tracé typique de Donc, le Daytona International Speedway, petite présentation rapide de ce circuit, alors qu'on voit, on est sur la côte floridienne, la côte est de la Floride. Circuit routier, évidemment, on le voit de jour, ce sera une course de soir, voire de nuit, que vous allez voir ce soir. Les deux derniers vainqueurs, eh bien, il n'y en a qu'un seul, en fait. C'est Marc-André Larouche qui aura gagné en 2019 la deuxième course qui avait eu lieu. C'était encore à l'époque où on tenait deux épreuves par soirée. Et hiver 2020 également, c'est lui qui l'avait remporté. Quand on dit qu'on est sur le bord de la plage, on voit 8 km, configuration, bien sûr, routier, 12 virages, longueur de 5,7 km, donc un circuit tout de même assez long, mais où on est à fond, pratiquement 75% du tracé. Donc, circuit rapide, également un circuit qui est capricieux, on parle quand même de changements d'élévation qui sont un peu présents, changements d'inclinaison surtout. Et sans plus tarder, allons à bord de la voiture SFTV pardon, pour découvrir ce circuit du Daytona International Speedway. Et nous voici partis pour un tour du mythique circuit routier du Daytona International Speedway. Alors que nous arrivons vers le virage numéro 1, un freinage très appuyé et très capricieux dû au changement entre l'ovale et le tablier. Réaccélération ici alors qu'on fait le petit S droite-gauche. Attention ici à la sortie des puits qui pourrait en surprendre quelques-uns. Freinage ici pour l'International Horseshoe, réaccélération. Où on peut aller un peu de l'autre côté de la ligne blanche, mais pas trop, sinon on perd du temps. Attention ici au kink, virage à gauche que l'on prend à fond, où il n'y a qu'une seule véritable ligne de course, freinage ici pour le deuxième horseshoe, comme on pourrait dire. L'accélération, les deux sont pris en deuxième vitesse, soit dit en passant. On freine ici pour le virage qui va nous ramener vers ce que l'on peut appeler comme le NASCAR Turn 1. On réaccélère et on embarque sur l'ovale, voilà. On rappelle qu'ici à Daytona, c'est 24 degrés d'inclinaison auquel on a droit. Ce qui amène les voitures évidemment à être à fond, surtout avec ces GT3. Alors ceux-ci, les dépassements pourront être légion ce soir. Freinage entre le 1 et le poteau que l'on a vu à droite. Réaccélération dès qu'on a passé la première partie du bus stop. Et ce qui nous amène vers l'autre partie de l'ovale. C'est là que plusieurs tours pourront se faire en qualification, ou auront pu se faire en qualification plutôt. Vous allez voir l'entrée des puits qui est à votre gauche. Et on va ainsi compléter un tour de la version routier du Daytona International Speedway. Et donc, nous voici de retour pour la grille de départ de cette épreuve. Enzo Johansson, le meneur au championnat qui est en première position avec Jean-Philippe Gendron, ne tenait pas compte de son équipe. Ce n'est pas Fuga Simsport avec qui il fait partie. C'est A1 Mono Simulation, donc une première ligne, toute A1 Simulation pour cette épreuve. Guillaume Lévesque juste derrière et Luc Carbonneau qui continue la belle lancée pour l'équipe SFTV en quatrième position. Un dixième d'écart. D'ailleurs, son coéquipier juste derrière lui, Olivier Turcotte, en cinquième position, avec Jean-François Godin qui sera à ses côtés en troisième ligne. Georges Martinez, quelle surprise, Eric! Septième position pour lui. Voyons voir s'il pourra continuer sur cette lancée-là avec Maxime Paquette qui sera à ses côtés. Romain Faux et Alexandre Charon en cinquième ligne pour compléter le top 10. Marcel Gauthier et Yann Gagnon-Renault pour Pure Sims en 12e position. Three Wild Motorsports pour Marcel Gauthier. Alors qu'on voit les avions qui atterrissent à l'aéroport juste derrière. Et c'est très bien passé pour iRacing, soit dit en passant. Bruno Pichette et Gabriel Gignac qui vont, par contre, compléter voilà, cette 7e ligne.
Kevin Savoie et Andrew Caron. On en parlait, donc l'autre ASR qui est en 16e position. Patrick Bachelard et Benoît Meunier qui seront en 9e ligne. Éric Godreau-Drapeau, oh ça c'est la ligne des Three Namers, mon cher Éric. En 10e ligne, Éric Godreau-Drapeau et Jean-Christophe Charon qui partagent celle-ci. On est à 8e des meneurs. Alors qu'on va voir le reste là, dépouler rapidement. On voit Bouliane et Larouche qui partagent la 11e ligne. Et ça continue. Mais Éric, quand même beaucoup de pilotes ce soir, pratiquement encore une cinquantaine. À quoi on pourrait s'attendre ce soir? Bien évidemment, lorsqu'on regarde la grille de départ, Olivier, ça prend 23 voitures pour être à une seconde du meneur, donc c'est extrêmement serré. L'aspiration qui va avoir son enjeu, donc surveiller l'entrée du virage numéro 1, où il sera possible d'entrer à deux de large, mais est-ce que tout le monde va survivre et passer au tracé infield? Ça sera à surveiller, surtout dans les premiers tours de l'épreuve. Évidemment, 45 minutes sans faire de faute à Daytona, c'est tout un défi avec ces voitures qui peuvent être à quelques occasions capricieuses. On est évidemment là, sous l'éclairage nocturne, donc peut-être question là, de visibilité également, mais en général, ce n'est pas le problème le plus drastique. Mais la météo également qui pourrait être intéressante. Température de piste qui est très fraîche à 21 degrés Celsius pour une température ambiante à 26. Donc, une piste qui va gagner en température et donc devenir à quelques endroits là, un peu plus névralgique. Surveillez surtout les freinages à l'entrée du virage numéro 1 et à l'entrée de l'arrêt d'autobus sur la ligne droite arrière. Voilà alors que le départ sera donné dans quelques instants. Et justement, on en parlait un peu lors de la présentation de ce circuit. Le changement d'inclinaison entre l'ovale et le tablier, il sera surveillé. Le freinage qui se fait directement de ce côté-là. Bonne course à tous! Alors que le drapeau vert sera donné. Voilà, c'est parti! 45 minutes d'épreuve ici à Daytona. Un excellent départ pour Johansson alors que Jandon déjà est mis au défi par Guillaume Lévesque. Et derrière, ça semble être correct pour tout le monde. Alors qu'on a les deux des trois de large. Attention, on déporte un petit peu du côté de Savoie et on s'en sort bien, là. Pas d'incident de ce côté-là. Attention, ici, dans les S, on a déjà vu par le passé des incidents lors du premier tour de ce côté. Ici, à Daytona, en iRacing Challenge. Et pour l'instant, deux, trois de large encore vers l'International Horseshoe. Et Eric, je pense que c'est une première au sein de cette ligue. Pas d'incident de ce côté-là. Par contre, excellent départ du côté de Lévesque qui prend la deuxième position. Je pense que tu l'avais mentionné lors du départ. Ça s'est fait au premier virage. Et derrière, donc, Gendron, Carbonneau, Turcotte, Godin. On s'est respecté lors du départ. Il n'y a pas eu de problème lors, au moins du côté des 10 premiers. Oui. J'ai vu une perdition là, en fond de grille au loin, mais rien de dommageable pour le reste du plateau. Alors qu'on est déjà là, dans les virages NASCAR 1 et 2. À la sortie là, du infield. Et on peut revoir le train là, s'instaurer alors qu'il y a déjà une petite scission là, qui s'est formée au sein du top 10 avec Carbonneau et Turcotte qui concèdent 6 dixièmes à leurs rivaux. Et même chose au niveau de Martinez là, qui est une demi-seconde derrière Gagnon-Renault en 10e place. Donc on pourra s'attendre là, à quelques séparations qui vont se former tout au long de la grille et surtout, là, si on regarde un peu plus loin derrière, le premier passage d'aspiration, voyons voir comment Gendron va gérer la situation, s'il sera agressif là, contre Lévesque dès que l'opportunité va se présenter. Carbonneau pas trop loin derrière pour en profiter également. Et Lévesque contre Johansson dès le deuxième passage, est-ce qu'on va déjà sortir les crocs? Et il me semble que ce sera un peu tôt pour sortir les crocs. On a quand même 45 minutes de course à faire, Eric, mais tout de même, là, on fait un peu attention alors que tu parlais de l'écart qui vient de se créer. 5 secondes 2 entre Martinez. Attention, droit de large derrière là, pour la 9e place. Oh, c'est parti, le carnage, le Martinez en perdition. Oh là là, Martinez qui... Oui, effectivement. Et voilà l'hécatombe au numéro 1. Ouf, Martinez qui, voilà, c'est course terminée pour lui. Et oui, l'hécatombe, effectivement. Alors que je vois une voiture jaune qui était impliquée. Et... Ouh, une voiture Exceed. Ça semble être la voiture de la de Savoie, ça. Oui, Bachelard est impliqué dans tout cela. Oh, et ça a été là. Attention, ça continue derrière! Alors que, évidemment, là, des dommages collatéraux qui viennent collecter de plus en plus de voitures. OG qui est impliqué également. OG, oui. Et OG qui a été collecté là, dans cette hécatombe alors qu'il avait réussi à tout éviter le carnage là, qui était lancé. Et ça a débuté, Olivier, là, avec un 3 de large entre Caron, Martinez et Romain Faux. Les deux pilotes, là, Caron au large, qui a réussi à faire le virage numéro 1. Il était le seul du groupe, mais en revenant vers l'intérieur, a rentré en contact avec un rival. Et c'est là que le reste du groupe a dû jouer la carte de l'évitement. Et plusieurs ont réussi à s'en tirer indemnes, mais
Et regarde l'écart que ça a formé là, entre Meunier au 11e rang et Larouche, 4 secondes 5 là, qui sépare, on peut dire, le top 10 là, plus Meunier avec le reste du groupe. Il y avait déjà un bon écart entre Gagnon-Renault et Meunier. On voyait déjà un écart de 4 secondes. Et bien là, ça a juste empiré la situation alors que tu vois, tu mentionnais Larouche, 11 secondes. Déjà d'écart avec les meneurs. Donc vraiment de son côté, un peu plus laborieux. Meneur, Guillaume Lévesque qui vient de reprendre les commandes, Olivier. Oui, par l'intérieur au premier virage, bien exécuté alors qu'on prend l'intérieur, on en profite et Johansson qui va reprendre. Voilà. Ouais, voilà. Par contre, Lévesque c'est pas terminé. Sur la ligne droite arrière. Et c'est repris, Lévesque qui reprend les devants. Sur l'aspiration, on va réussir sur l'oval à aller chercher le premier rang. Johansson qui a fait la réplique à l'intérieur au numéro 1, alors que ça s'échauffe derrière avec Charon qui cherche à défier. Je crois que c'est Maxime Paquette et Jean-François Godin, là, la seule des Exceed qui reste, on peut dire, là, en bonne posture, puisque Savoie et Boulian ont été impliqués dans l'incident au tour numéro 2. Oui, et disons que pour Charon, là, on va vouloir miser sur Savoie, le bon place, Il a survécu, mais si je ne me trompe, la 99 demeure quand même amochée. Et donc, ça voudrait dire que c'est bel et bien Boulian en 37e place qui avait été impliqué initialement. Là. Oui, c'est Boulian qui avait été impliqué. Donc, la 929, qui a été impliqué. Donc, ça voit que ça en est bien sorti. On a réussi à passer à travers le carnage. Mais Boulian qui a dû retraiter, je crois, est-ce qu'on a fait un arrêt au puits? Oui, voilà, on a fait notre arrêt. On n'a pas eu le choix de ce côté-là. Donc, tout a recommencé de son côté. Oui, pour surveiller là, sur les infographies, on voit deux fois le nom Savoie. C'est qu'il y a Philippe et Kevin Savoie ce soir en piste. Kevin dans la 99 et Philippe Savoie qui est 16e. Son numéro m'échappe malheureusement, mais on le verra passer dans quelques instants. Tout de même, on voit que le top 3 demeure bien soudé par choc à par choc. Et que derrière, la lutte commence à s'échauffer. Là, les Carbonneau et Turcotte qui sont bien placés pour voir encore une fois Lévesque par l'intérieur au numéro 1. Lévesque qui prend sa ligne de course depuis quelques tours. Lui, pour lui, c'est le virage numéro 1 où on reprend les devants. Présentement, on n'a pas besoin d'aller chercher le devant à la ligne de départ arrivée. Vous allez voir, vers la fin de l'épreuve, on va tenter de tout faire là, pour ramener la voiture, pour être le premier, pas au virage, à la ligne d'arrivée. C'est là que ça compte, c'est pas au virage numéro 1. Donc, on va vouloir être derrière, profiter de l'aspiration et aller chercher les devants. Pour l'instant, c'est pas ça. Le but, c'est d'être premier au virage, d'aller chercher une bonne sortie de ce virage numéro 1-là qui est si capricieux, si crucial également. Oui. Et si on réussit à le faire, voilà, on garde une première position comme ça. 9 voitures dans l'espace de 3 secondes, Olivier, alors qu'on voit Gagnon-Renault qui est le dernier wagon de ce train là, de meneur qui aura su éviter là, l'hécatombe derrière et on peut voir l'effet que ça a eu alors que Kevin Savoie s'est emparé de la 10e place face à Benoît Meunier. Marc-André Larouche, lui, qui est en pourchasse alors qu'on voit une lutte. Là, je crois que c'est Petriello qui est en mode remontada. Lui aussi, je crois, avait été quelque peu gêné là, dans cet incident. On voit les dommages là, sur l'avant-gauche de la voiture. Petriello, en fait, qui est parti très loin et qui est remonté jusqu'en 13e position. Caron, oui. Qui est juste derrière, alors qu'on va tenter par l'intérieur. Attention, c'est dangereux à travers le bus stop. Et en début d'épreuve comme ça, Eric, je suis pas sûr de la manœuvre de Caron là-dessus. Oui, surtout avec la voiture endommagée. Voyons voir comment ça va se faufiler. Mais Andrew Caron, qui n'est pas un petit client, il passe le message à Jeffrey Petriello qui désire cette position. Et là, ça ouvre la porte à Cadeau de Drapeau derrière. Dans l'aspiration, lui qui fait son premier départ de la saison. Et évidemment, il faut s'adapter à la voiture, chose que les autres pilotes. Oh, et Petriello par l'intérieur! C'est légal à cet endroit, il faut le souligner, mais il n'attend pas le prochain printemps pour donner la réplique. Et la voiture qui a décroché, Eric, ça, alors qu'on on a eu la transition entre l'ovale et le tablier. Alors, on va encore très large du côté de Petriello, protège l'intérieur face à Caron. Est-ce que au contact entre les deux, je passe là-dessus et voilà, c'est accepté. Alors que c'est du roue contre roue et même pas 10 minutes d'effectuer encore dans cette épreuve. Il me semble que c'est tôt là, pour tenter des manœuvres suicidaires comme ça. Ben, on est au 5e passage, mais l'effet, Olivier, c'est que Petriello, lui, est 4 secondes derrière Marc-André Larouche qui est tout sourire là, à voir cette lutte derrière s'échauffer. Et pendant ce temps, ben, il y a
deux voitures là, qui sont à l'approche de la 97. Je crois que c'est celle de Philippe Savoie et de Pierre-Luc Gaudreau, si mes infographies sont bonnes de mon côté. Alors que ces deux-là se positionnent pour faire la jonction avec le groupe devant, alors qu'il n'y a rien à faire là, pour la 97 qui est coincée. Et le reste du top 10 qui demeure échangé. Gagnon Renault qui maintient le rythme des meneurs, ne se fait pas là, creuser plus que ces 2,8-2,9 secondes qui oscillent là, sur les infographies, alors que Lévesque est de retour dans la boîte de vitesse de Jean-Philippe Gendron et Johansson qui avait été relégué dans la troisième place. On va voir comment Lévesque va négocier cette fois. Et est-ce qu'on est en mode bump? Oui, Eric, on est effectivement en mode bump drafting. Ah, je pense que du côté de Lévesque, on s'y connaît un petit peu en termes de conduite en ovale. Et est-ce que Lévesque choisit son client là, avec Gendron devant? On sait que ces deux-là se sont livrés bataille la saison dernière, mais surtout, eux qui ont compétitionné dans le PESCC, Johansson qui y était également, mais pas dans la même catégorie. Lévesque est en GT3 alors que les deux autres étaient dans la GT4. Et on peut dire que Lévesque n'est pas aussi agressif là, face à Gendron pour reprendre les commandes. Il va plutôt là, ménager les pneumatiques et économiser l'essence, puisqu'il ne faut pas oublier non plus, il y a un arrêt au stand planifié dans l'épreuve, alors que là, Godin cherche à trouver la solution au problème Olivier Turcotte, alors que derrière, ben, ça bouchonne avec Paquette, Charon, tout ce beau monde est pare-choc à pare-choc, alors que Carbonneau aura réussi à se créer une petite écart là, de 8 dixièmes de seconde face à son coéquipier, qui, jusqu'à présent, là, titre honorifique d'ingénieur de train chez le CN. Oui, en effet, je pense qu'on vient de sortir la feuille d'application du côté de Turcotte et on pense prochainement à aller du côté du CN. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la piste. Alors Olivier, je ne vois plus Caron et Petriello sur le tracé. Oh! Est-ce qu'on aurait été victime? Il y aurait eu un incident à la sortie du International Horseshoe et... Petriello qui avait été expédié dans le muret. Par contre, il n'avait pas semblé avoir eu de contact majeur entre les deux. Et Caron qui a simplement rangé la voiture par la suite. Oh oui, je pense que Godin va être bien positionné là, pour faire le dépassement sur la 52. Attention! Et Paquette qui lui donne toute la poussée du monde. Et Charon qui veut s'en mêler également, là. Oui, est-ce qu'on va accéder à 4$ à l'entrée du virage numéro 1? On espère que non, évidemment, ce sera un peu trop de suicidaire. Et non, voilà! Ce sera deux pilotes qui vont réussir à passer la 52 alors que Paquette et Godin devraient avoir réussi. Voilà, sortie du virage numéro 1. On entre dans le 2 et 3. Paquette qui n'a pas dit son dernier mot à l'entrée du horseshoe. Et attention, bien positionné du côté de Charon. Et oh, Turcotte vient de sortir Charon! Oh, oh là là! Oh, mais oh, qu'est-ce qu'on a fait là du côté de la 52? Carton jaune là-dessus pour Turcotte qui a rabattu sur Charon qui semble pas trop endommagé mais fait savoir son mécontentement. Et là, pendant ce temps-là, il y a eu une autre hécatombe au numéro 1. Olivier, contact. Il y avait trois de large entre Godreau-Drapeau, Pierre-Luc Godreau à l'intérieur et Philippe Savoie qui a forcé le trois de large. Et malheureusement, ben, les deux voitures au large ont fait contact et c'est Savoie qui a pris le pire de l'impact. Il chute au 17e rang. Ouais, le pire de l'impact, on s'en sort relativement bien tout de même dans les circonstances. Parce que c'est Martinez qui est en remontada là, devant Max Martin. Et on parlait là, de cette transaction ou ce changement de personnel chez l'équipe SFTV, l'acquisition de Luc Carbonneau aux dépens de Montréal Sim Racing. Eh bien, ce contact-là va définitivement pimenter la rivalité. Le Savoie qui en aura long à dire à son rival sur cet incident de course qui... Évidemment, là, un 3 de large entrée du numéro 1. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles possibles à faire pour les trois. Là. Non, en effet. Disons que c'est pas le genre de situation dans laquelle on veut se trouver. Et dépendamment de la qualité des pilotes. Et je veux pas nécessairement dénigrer certaines personnes, évidemment. Là, mais il reste que disons qu'un 3 de large entre Lévesque, Gendron et Johansson, j'ai plus confiance que ça termine bien qu'un 3 de large entre trois pilotes qui vont se retrouver, exemple, je vais utiliser plus du jargon iRacing, qui vont être entre 1200 et 1500 d'iRating. C'est pas là qu'on est, évidemment, entre Godreau-Drapeau et Savoie, là, c'est pas ça que je veux dire, mais il reste que au niveau du talent, au niveau du classement qu'on va avoir, il y a certains pilotes avec qui on va avoir plus de confiance de pouvoir réussir cette manœuvre-là au final. Oui, et il ne faut pas oublier que l'aspiration aussi vient jouer là, sur la qualité du freinage au numéro 1, puisque Godreau-Drapeau, qui était dans l'aspiration de Godreau, qui avait la ligne intérieure,
fait en sorte que lui aussi, là, son freinage est poussé là, plus profondément au numéro 1. Alors que, ben, bien évidemment, là, on garde les yeux sur cette lutte au sein du top 10. Gagnon-Renault qui a monté au 7e rang là, suite au contact entre Turcotte et Charon. Il maintient quand même là, son 3,5 secondes de retard contre les meneurs. Donc, oui, il a concédé une demi-seconde dans les deux derniers tours, mais on peut dire une chose, il garde le rythme. Et ça veut dire que ça va être difficile pour le peloton de se scinder, à moins qu'il y ait des luttes qui se dessinent. Mais en même temps, qui dit difficile de se démarquer, veut dire que les écarts vont être extrêmement difficiles à remonter également. Là. En effet. Et parlant de luttes qui pourraient se dessiner, eh bien voilà pour la 18e position. Là, vous allez me dire, c'est un peu loin, certes, mais on a quand même une lutte entre Brisson, Chantraine, ouais. Howard, Auger et Charon. Jean-Christophe Charon, cette fois-ci. Alors, je tiens à mettre mon bémol, Olivier, c'est loin, mais c'est dans les points. Les 30 premières places qui font des points dans cette saison, donc c'est très intéressant de surveiller ce genre de bataille. En ce moment, c'est Martin Dubé qui est le premier exclu, et alors que je crois que Donald Lafrenière vient de s'emparer de la 31e place, mais ils sont les premiers exclus des points, alors qu'il y a un incident Martinez en ouvrant perdition. Oh, Martinez là, qui est rapide sur un tour, mais on voit présentement la difficulté là, à contrôler, surtout en plus dans ce bus stop-là. Il faut dire également que c'est une chicane d'arrêt d'autobus qui est très particulière. Si on est capable de garder beaucoup de vitesse, on peut gagner énormément de temps sur la deuxième partie de l'ovale. Par contre, il suffit juste qu'on réaccélère un peu trop rapidement et le derrière peut décrocher assez rapidement, surtout avec ces voitures-là qui sont relativement capricieuses. Et je pense que c'est là que du côté de Martinez, on s'est fait piéger de ce côté-là. La vitesse d'entrée qui est critique. Là. Moindrement qu'on va chercher un peu trop, on est trop gourmand à l'entrée, c'est là que le train arrière va complètement décrocher et on peut oublier le sortir du virage de façon adéquate alors qu'il y a une lutte de Gaudreau pour la 13e place. Pierre-Luc Gaudreau et Éric Gaudreau-Dapeau qui lui donnent la chasse. Lutte la plus serrée sur le tracé en ce moment, les deux qui sont pare-choc à pare-choc. Et avec l'aspiration, bien, ça va être difficile de compléter une manœuvre et plus la lutte s'effrite, bien, plus ça permet à Marc-André Larouche de creuser son écart, lui qui est seul au 12e rang, 2 secondes derrière Charon qui poursuit sa remontada après l'incident qu'il a expédié dans le décor avec Olivier Turcotte. Et pour cette lutte-là au 17e échelon, bien, Chantraine qui défend devant Charon, celui-là, son prénom m'échappe. Jean-Christophe. Pas Alexandre. Jean-Christophe Charon, merci. Évidemment, avec 50 voitures, vous nous excuserez des nombreux nouveaux pilote qu'il faut identifier rapidement avec les noms, les différentes livrées. Et Charon, qui n'attend pas le prochain printemps, se présente à l'intérieur du bus stop. C'est bien géré par le vétéran Chantraine qui concède alors cette 17e position. Et est-ce que c'est moi ou Chantraine a quelques... Oui, il me semblait aussi le pare-choc avant qui est bosselé. On a été impliqué, je crois, dans l'incident du premier tour. C'est difficile à dire, évidemment, là. Puisque, sans trop se le cacher, il y a eu de la brasse camarade dans cet incident particulier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en piste, malgré le fait que les dommages semblent lui nuire, puisque l'attaque provient là, de son rival, et c'est Brian Howard qui se présente. Et il ne réussira pas la manœuvre, toujours derrière Chantraine, qui avait à l'intérieur, soit dit en passant, donc on réussit à s'en sortir. Ouais. Et je pense que c'est comme ça, Éric, qu'on va réussir à s'en sortir pour beaucoup de pilotes ce soir. Vraiment, en gardant l'intérieur au virage numéro 1 et en survivant, si on veut, à l'infield ou la portion intérieure du circuit. Et je fais un clin d'œil à notre grand Manitou, Mike Belair, puisque s'il est absent à nouveau la semaine prochaine, Belair, qui évidemment le rate cette épreuve ce soir, ben, Laurent Chantraine va le dépasser pour l'exclusivité du 4e rang dans l'histoire du Racing Challenge avec un 235e départ. Quand je parlais de vétéran, ben, on parle d'un des pilotes là, qui a fait partie du top 5 au nombre de courses réalisées dans l'Racing Challenge dans cette 13e campagne. Et dans tout cela, Chantraine n'a que 12 top 5 et bien évidemment là, est en lutte pour une position là, dans le bas du top 20, mais tout de même demeure en piste malgré les dommages. Et Chantraine, qui justement est un habitué, tu parlais des top 20, on est un habitué de ce côté-là, Chantraine, donc vraiment, il ne va pas nécessairement être le pilote le plus rapide, par contre, au niveau de ses positions, bien, il va les avoir à l'usure, essentiellement. Donc, capable de garder la voiture sur la piste, capable d'être constant, capable de choisir ses batteurs, on l'a vu tout à l'heure, justement, lors du dépassement de Charon. Donc, c'est ce qui fait en sorte que certains pilotes qui ne sont pas nécessairement les plus rapides, bien, en ayant ce qu'on appelle...
on présente en anglais du racecraft, du QI de course automobile, du QI de conduite, eh bien, on ramène la voiture à la maison, on fait des points, on va chercher des résultats. C'est ce que je suis en train de faire saison après saison depuis 13 saisons. Très bien mentionné, mais il ne faut pas oublier que dans ce format particulier, même si c'est une épreuve de 45 tours, la qualification là, semble vraiment avoir une valeur supplémentaire cette saison, puisque s'élancer au bas du top 20, bonne chance pour remonter dans le top 10, alors que ça va être extrêmement compliqué. Là. On voit Godot Drapeau qui est 13e, parti 19e. C'est un bon travail, mais il est encore 24 secondes derrière les meneurs et 13 secondes derrière Meunier en 10e place. Donc, même avec un bon arrêt au stand, il va falloir aller chercher énormément de rythme dans les 26 prochaines minutes pour simplement espérer un miraculeux top 10, puisque à ce stade-ci de l'épreuve, avec 26 minutes à faire, à moins d'incidents majeurs, ça va être des erreurs individuelles qui vont mener à des positions gagnées. Là. Oui, et c'est un peu ce qu'est la course automobile, en fait. C'est un jeu d'erreurs. Surtout, en plus, avec ces voitures de GT-là, où c'est pratiquement impossible à dépasser, que ce soit avec les Porsche, que ce soit avec la Audi, que ce soit avec... Bref, nommez-les, c'est la même situation. C'est pratiquement impossible à dépasser à cause du type de voiture, alors que la lutte, la lutte commence à s'animer pas mal pour la première position, Eric, alors qu'on s'approche du temps des arrêts au puits. C'est un quatuor de meneurs, puisque derrière, la scission a été faite et c'est Gagnon Renault qui assume la position de pointe au cinquième rang du train de poursuite, si je peux le dire ainsi. Et Gagnon Renault, il n'a jamais lâché cet écart là, entre 2,8 et 3,5 secondes des meneurs. Il a le rythme, mais la moindre petite délicatesse qui concède un dixième. Et là, on est décroché de l'aspiration également avec la pression d'un Godin, d'un Paquette et d'un Turcotte derrière. Ben là, ça complexifie les choses et cet écart-là devrait là, mathématiquement se creuser alors que ça se poursuit dans les luttes. Et je crois qu'on a notre premier candidat aux arrêts au stand. Ben, c'est Marc-André Larouche en 17,3 secondes. Et fait à noter, Olivier, on a maintenant là, la sortie des stands des 24 heures de Daytona, donc le cône bleu qui n'est plus à la sortie des stands de NASCAR, mais bien à la fin là, de ce muret à l'intérieur du premier secteur. Intéressant à mentionner et qui a sûrement surpris quelques-uns lorsqu'ils sont revenus pour pratiquer. Gros changement tout de même, alors qu'avant ça, justement, elle était à la sortie des puits de NASCAR, comme tu mentionnais. C'est un couteau de double tranchant. Oui, c'était plus rapide, l'arrêt était plus court, entre guillemets. Par contre, beaucoup d'incidents qui auraient pu être évités si la sortie des puits était comme elle est présentement. Donc, quand on dit un couteau de double tranchant, eh bien, c'est ce qu'on veut dire. Ça peut facilement aller d'un bord, d'un côté comme de l'autre. Et... Bien voilà, c'est un changement qui était bien apprécié, je pense, de la part des pilotes sur iRacing. Fait très intéressant à mentionner, Olivier, lorsqu'on regarde le top 3 actuel. Guillaume Lévesque, en 18 départs, a 13 victoires. Jean-Philippe Durandron, en 18 départs, en a 9. Et Enzo Johansson est 1 en 2. Alors, au niveau des pourcentages de victoires dans le top 3, je pense que Luc Carbonneau en a pour son argent, puisque lui, ben, en 79 départs, évidemment, a beaucoup plus de pavés couverts dans la série. Il n'a que 3 victoires, mais il a le rythme et pourrait causer toute une surprise. Mais maintenant, la question n'est pas est-ce qu'on garde le rythme. Il va falloir trouver une façon de creuser, d'aller chercher des positions supplémentaires. Et avec le calibre devant, ça sera toute une commande. Oui, et d'ailleurs, tu mentionnais le top 3. En sixième position, Godin, c'est quoi le pourcentage de victoire de son côté? Je suis curieux. 78 victoires en 195 départs pour 40%. La différence, on parle de 195 départs et de 78 victoires. Il est évidemment le meneur là, dans cette colonne et je te confirme, mon cher ami, que c'est par 54 victoires sur David Sirois qui en a 24 en 90 courses. Donc, je pense que Jean-François Godin ne sera jamais inquiété dans l'histoire de la série au niveau du nombre de victoires. En effet, à moins qu'il y ait un changement drastique dans les prochaines années, mais... Selon moi, ça ne m'inquiète pas non plus, Godin, là, qui, voilà, on le voit en sixième position en lutte avec Gagnon Renault. Paquette et Turcotte, toujours ces quatre-là qui poursuivent la lutte. Dommage la situation avec Charon. D'ailleurs, j'ai hâte de voir si on va effectivement punir Turcotte suite à cette épreuve. S'il y avait une épreuve par semaine tout au long de la prochaine année, ça ne serait même pas suffisant pour un David Sirois, qui évidemment ne participe plus à la série, de rattraper Godin, même s'il gagnerait des épreuves à chaque semaine. C'est quand même une statistique éloquente. Effectivement. Alors qu'on entre dans le virage numéro... On a levé le pied du côté de Godin, alors que je pensais qu'on tentait le dépassement sur Gagnon Renault.
Et le défi de derrière ça, ben, c'est de rester dans l'aspiration, de ne pas tenter de manœuvre trop audacieuse, puisque à chaque manœuvre tentée sur Gagnon Renault, ben regarde, ce dernier là a ramené l'écart au meneur à 3 secondes. Il a été grugé une demi-seconde contre le rythme des meneurs. Donc, si le quatuor, ben voilà, ça s'anime un peu, ben ça ouvre la porte, non seulement peut-être à Gagnon Renault de faire la scission et de s'évader, mais en même temps, ben, on perd la jonction avec les meneurs. Alors, je crois que c'est Boulanger qui est derrière Turcotte, qui est à un tour de retard. Exactement. Si, ouais, 35e place pour Boulanger, là, c'est de mal en pire pour son début de saison, malheureusement. Lui qui avait été impliqué dans un incident en toute fin d'épreuve à Mosport, on se souviendra longtemps, malheureusement, pour les mauvaises raisons, mais c'est un début de campagne plus difficile de son côté. Pendant ce temps, ben, on a vu pendant quelques instants la lutte entre Godreau-Drapeau et Pierre-Luc Godreau. Pour les différencier de deux-là lorsqu'ils ont le même nom de famille. Et le premier des deux, Pierre-Luc Godreau, qui est dans la ligne des stands, donc tente l'undercut là, contre son rival, alors que les deux étaient coincés dans une lutte d'aspiration depuis quelques tours. Oui, on pense être plus rapide, je pense, du côté de Godreau. C'est pour ça qu'on va tenter ce genre de stratégie maintenant. On va devoir répliquer, par contre, du côté de Godreau-Drapeau. On est tout seul, on n'a plus d'aide vraiment pour aller chercher la vitesse. Et là, je pense qu'on arrive vers la fin du réservoir. Voyons voir si les pilotes devant vont faire leur arrêt. Non, on fait un tour de plus du côté des quatre premiers. 25 minutes bientôt découlées. Johansson vient-il de ses gendrons plutôt. Il vient de passer au large. Lévesque qui va concéder le premier rang sans même tenter là, de répliquer au premier virage. Et Eric, je pense que la stratégie. Oui, je pense que du côté de Lévesque, là, on vient de réaliser que. On peut peut-être faire un tour de plus. Et j'ai un petit pressentiment là-dessus, Eric. J'avais l'impression également que la stratégie allait commencer à avoir un certain intérêt, alors que Meunier est dans la ligne des centres. Godreau-Drapeau, tu le disais, la réplique. Le tour suivant, lui aussi, va s'arrêter avec 20 minutes à faire. Et on nous souligne là, quand même que les 60 litres d'essence dans le réservoir, on en a consommé beaucoup jusqu'à présent. Donc, c'est un arrêt qui va ajouter là, entre 38 et 45 litres d'essence pour la plupart. Meunier en 18,9, un peu plus lent que ce qu'on avait vu du côté de La Roche. Voyons voir Godreau-Drapeau de son côté. Un arrêt en, et ça s'étire, là, 19,9 secondes. On a mis un peu plus d'essence que le reste pour assurer là, la circonstance. Voyons voir où ça va le placer contre Godreau. Alors qu'évidemment, on garde un œil sur les meneurs qui, eux, là, à leur tour, devraient s'arrêter. La lancette vient de plonger dans les puits. Godreau qui revient sur le virage 1 et son rival. Le voilà sorti des puits. Donc, c'est pas une lutte serrée, mais avantage 97 dans la stratégie. L'undercut qui n'aura pas fonctionné. Est-ce que c'est vraiment l'avantage, par contre, si on considère que Godreau risque de rattraper Godreau-Drapeau vu la distance? C'est mitigé selon moi, mais tout de même, on est en avant présentement du côté de la 97. Voyons voir si on peut garder cet écart-là entre les deux. Oui, on n'est pas très content de voir la lancette qui est hors séquence offrir l'aspiration au rival. Regarde, bon, et voilà, on est à la fin du réservoir d'essence, sauf pour Guillaume Lévesque qui vient de bon, pressentiment payer, était bon. Oui, vient de te payer un tour à la Robert Kantian, si j'aime bien le souligner. Kantian qui était las des tours supplémentaires, un habitué de l'endurance. Mais Lévesque vient de sortir un lapin de son chapeau là, avec un tour supplémentaire. Regardons les temps des arrêts là, dans le top 10. Gendron premier à son box. Ça va friser la barre des 17 secondes. 15,5 pour Gagnon Renault. Oh, vient de prendre plusieurs positions dans la ligne des puits, Olivier. Oui, Johansson, même chose. 15 secondes 4 également. Je vois Gendron, 17 secondes 6, 17 secondes 8 pour Paquette, 16 secondes 9 pour Carbonneau. Donc, on est vraiment entre 16 et 18 secondes, sauf pour Johansson et Gagnon Renault. J'ai hâte de voir Lévesque également. Je m'attends à du 15 secondes également de son côté. Et est-ce qu'on en a mis un peu moins, Olivier, d'essence, sachant qu'on a le bénéfice de l'aspiration? C'est tout un pari à prendre, puisque si on manque d'essence dans le virage 4 au dernier tour, on risque de s'en mordre les doigts, là. Effectivement, et j'ai l'impression qu'avec l'aspiration que les pilotes se donnent, on devrait pouvoir faire le travail. Maintenant, on va devoir également faire attention de ce côté-là. Et tu mentionnais d'ailleurs, juste pour revenir sur Gagnon Renault il y a quelques instants, on a gagné des positions. On est allé en gagner toute une sur Carbonneau. On avait 3 secondes d'écart et on est juste devant. Oui, et j'ai remarqué, Olivier, il reste 30 voitures sur le tour des meneurs. Donc, les
En ce moment, là, tous ceux qui font des points à la régulière, sans les bonus, bien sûr, sont sur le tour des meneurs. Et ça, après 18 minutes de course, là, tout un embouteillage au virage numéro 1, là, au bas du top 20. Alors oh, attention derrière! Bachelard est-ce que c'est... un train. J'essaie d'aller voir c'était qui. Il y a une voiture là, qui est en perdition, malheureusement. Je ne trouve pas c'était qui. Il semble toujours être coincé à cet endroit, malheureusement. Alors que les meneurs, évidemment, là, ça, c'est la lutte entre Johansson et Gendron. Alors que Lévesque est au puits, Olivier. 14,8 pour Guillaume Lévesque. Oh, ce qu'on vole proche du soleil. On va avoir chaud là, dans le cockpit avec l'économie d'essence d'ici la fin de l'épreuve. Oh, je pense que Lévesque est... Je pense que sur Lévesque, on est correct, Eric. Confortablement en avance, oui. On est confortable en avant, confortablement en avant, de 1 et de 2. Du côté de Lévesque, c'est pas la première fois qu'on est sur ce circuit-ci. On connaît la voiture, on connaît les courses d'endurance, comment ça fonctionne. Je m'inquiète pas du tout du côté de Lévesque. Je pense qu'on a mis suffisamment d'essence pour aller l'arrivée. Donc, oui. On n'aura pas si chaud que ça. Une seconde 3, si on est moindrement, si moindrement comme ce que je crois qui devrait arriver, là, on parle quand même de 3 pilotes qui ont participé au Porsche eSports Sprint Challenge Canada. Je sens que ça va se battre entre ces 3-là. Donc, Lévesque, lui, n'a qu'à rallier l'arrivée. À moins d'une malchance énorme, là, ça sent la balade du dimanche de son côté pour la deuxième partie de l'épreuve. Ouais, ben je regarde quelques luttes potentielles qui pourraient se dessiner. Kevin Savoie qui est en chasse du groupe de poursuivants. Ces deux-là, Gaudreau et Gaudreau-Drapeau, ne se sont pas lâchés depuis le dixième tour. Et plus ça se bat, plus il y a un François Bouliane 5 secondes derrière qui pourrait commencer à avoir des vues là, sur cette lutte pour la 13e place. Pendant ce temps, ben, Kansian qui est à la chasse du vétéran François Bouliane, pas le négliger non plus, c'est 170 départs. Il a quand même 8 victoires. Mais Olivier, écoute bien la statistique intéressante. 8 victoires en 170 courses. Il a 100 top 5. 58% du temps, on retrouve François Bouliane dans le top 5. Oui, c'est pour ça que c'est surprenant de ne pas le voir dans le top 10 présentement. C'est sûr, il a été impliqué évidemment dans l'incident, on se rappellera au départ. Là. Donc, haute voix, moitié pardonnée, évidemment, dans cette circonstance-là. Mais il reste quand même, lors de la première épreuve de la saison, la semaine dernière, on n'a pas vu le François Bouliane qu'on croyait voir. Donc, sûrement juste un ajustement à la voiture. On sait que, de son côté, parfois, ça prend 2-3 semaines, on l'a vu dans le passé, avant de s'habituer vraiment et de voir des performances dignes de Bouliane, du Bouliane que l'on connaît chez Exceed. Donc, c'est une question de temps. Mais c'est toujours un peu surprenant tout de même, là, alors qu'on tu parles des statistiques, eh bien, elles sont éloquentes, elles parlent d'elles-mêmes. Oui, et la nouvelle peut-être intéressante, là, c'est que non seulement Gagnon-Renault a réussi à devancer Carbon, mais regarde l'écart qu'il s'est forgé, là. La 92, qui non seulement son arrêt est plus long, et là, je vois un moteur qui expire derrière, j'espère que c'est pas celui de... C'est celui de Paquette? C'est celui de Paquette, effectivement, Eric! Oh! Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu de la fumée. Ben oui, c'est de la fumée. Je confirme que le moteur est explosé, effectivement. Alors, coup de théâtre dans le top 10. Là, tout le monde va avancer d'un pas et passer go. Et bon, est-ce qu'on réclame un montant d'argent? Non, mais je veux dire une chose, il y a des cadeaux qui vont se faire là, avec cet chamboulement là, pour Maxime Paquette qui avait une excellente épreuve jusqu'à maintenant. Et l'écart qui se creuse de Carbonneau qui est maintenant à 4 secondes des meneurs. Et Johansson qui est décroché de 2 secondes de Guillaume Lévesque. Donc, vraisemblablement, là, on a résolu la situation du train à l'avant. Et ça sera une lutte pour la deuxième place, à moins qu'on soit en mesure de refaire la jonction. Et là, une lutte pour la deuxième avec un trio de la sorte. Oh, ça s'annonce intéressant! Effectivement, avec ce qu'on a vu lors de ce printemps, ça risque d'être assez spectaculaire. Johansson, Gendron, Gagnon, Renault, 2, 3 et 4. C'est loin d'être terminé, mesdames et messieurs, restez avec nous! Et si j'avais à classer par agressivité, ben j'irais, pas dans l'ordre qu'on le voit en ce moment, je mettrais Gagnon, Renault devant Gendron, mais en ce moment, je peux vous dire une chose, ces trois-là doivent jouer aux échecs mentaux en trois dimensions, puisque là, Johansson a les commandes, mais à quel moment on va frapper derrière et pour éviter les erreurs, pour ouvrir la porte également. Là, ça ne se joue pas qu'à l'avant-dernier tour, alors que je crois que c'est une lutte entre Philippe Savoie et
Et Charon, là, dans le 144, à l'extérieur, au numéro 1, dépassement qui pourrait être audacieux, savoir qu'il va bien négocier. Et tout le monde va passer en bonne et due forme. Alors que devant, pendant ce temps-là, eh bien, Kansian, on réussit toujours à garder le rythme avec Boulian. Et avec l'aspiration, évidemment, là, lorsque vous avez des rythmes similaires, ben, ça devient une question d'être patient dans l'infield et de bénéficier là, de l'aspiration sur la ligne droite arrière, mais c'est difficile tout de même d'avoir un dépassement franc là, au virage numéro 1. On l'a vu à quelques occasions, là, devoir forcer la donne à 2 ou peut-être même 3 de large dans un premier virage qui est extrêmement capricieux là, avec la transition de l'inclinaison qui fait sous-virer la voiture au moment où on applique les freins. Et grosse scission, évidemment, là, Marc-André Larouche seul au 9e rang, mais il est pris en chasse là, tout de même seulement 1 seconde 7 qu'il sépare de Charon qui est en mode remontada. Pendant ce temps, on est un peu plus loin au bas de la grille. On avait Dan Robert qui est pour l'instant là, en voie d'accumuler là, un bon nombre de positions gagnées. Il avait une dizaine. Et est-ce que Gagnon-Renault, ben, c'est fait contre Gendron? Oui, et d'ailleurs, j'avais vu la voiture de Gagnon-Renault qui est devenue un peu instable à la transition entre l'ovale et le tablier. On s'en est bien sorti, on est allé un peu large par contre. Gendron qui a eu le respect là-dessus là, de vraiment ralentir. Et Éric, j'aimerais apporter ton attention sur l'écart entre Carbonneau, Godin et Turcotte. Ça rétrécit de tour en tour la lutte pour la cinquième position qui devrait faire rage d'ici quelques temps. Je n'exclurais pas un Kevin Savoie de la situation si l'aspiration... Je veux dire, Kansian qui prend le dessus face à Boulian dans l'aspiration. Qui l'aurait cru, Éric? Tout un dépassement là, du pilote ontarien et... Je ne veux pas dire assume sa dominance, mais il fait savoir à François Boulian que sa position ne sera pas acquise. Il y aura une lutte à définir. Et ça, pour Godreau Drapeau et Pierre-Luc Godreau, ben, c'est un soupir de soulagement de voir ces deux-là se battre, alors que c'est Bachelard qui vient de s'encaparer d'une position supplée. Non, ben, il vient de se faire dépasser plutôt par Stéphane Mérino. Au bas, là, tout juste à l'entrée du top 20. Non, on vient faire le dépassement sur Gignac du côté de Bachelard. Évidemment, je garde un œil sur les positions de départ puisqu'il y a 2 points boni à attribuer là, à celui qui a gagné le plus de positions dans l'épreuve. Pour l'instant, je vois que c'est Dan Robert là, qui... Dan Robert avec 15 positions remportées. On va être bien positionné pour aller gagner les points boni donnés pour... C'est lui qui a remporté le plus de positions. Ben, Pierre-Luc Godreau, vois-tu sa lutte contre Godreau Drapeau? Même si c'est pour la 12e place, il y a 2 points boni à l'enjeu. Et ça, ces 2 points-là pourraient faire la différence à la fin de la saison. Donc, faut pas négliger là, ces petits paramètres qu'on a rajoutés. Il y a aussi le 0 incident qui, ce soir, malheureusement, je ne crois pas là, avec Daytona. On parle de l'arrêt d'autobus qui est quand même un piège à X assez facile. La sortie du 1 et du 2 peut être parfois là, un X ramassé facilement, mais évidemment, avec l'incident du tour numéro 2, on peut s'attendre là, qu'il y a plusieurs voitures qui auront déjà expiré là, ce point boni supplémentaire, si on peut le dire ainsi. Alors que Boulian a repris le dessus sur Kantian, lui. Oui, Boulian qui... Évidemment, il fallait s'y attendre avec les échanges comme ça sur l'aspiration. Oh! Et même chose entre Chantraine et Mérino. Là, attention, Mérino par l'extérieur. Est-ce que Chantraine pourra reprendre alors qu'il est à l'intérieur? Voilà, freinage plus actif du côté de Chantraine. Et on va reprendre cette 19e position qui nous avait momentanément échappé. Hey, Jacques Auger qui avait laissé le passage de belle façon. Et ces deux-là ne se sont pas lâchés, Olivier. Incroyable, Pierre-Luc Godreau qui n'a pas trouvé la solution et la cherche encore et il sort un peu plus large ici au NASCAR Turn 1, avantage la 97, mais avec l'aspiration, ben pas trop de doute, la 29 va se ramener dans le pare-choc arrière assez rapidement. Alors que tu mentionnais l'écart, là, Turcotte qui est maintenant dans la seconde de Godin, mais les meneurs, position 2, 3 et 4, le Gagnon-Renault qui doit défendre contre 2 voitures à 1 simulation. Oui, on a levé le pied, je pense, du côté de Johansson. Justement, on est coéquipiers, Johansson et Gendron, donc présentement, le but... C'est, on va tenter là, d'aller chercher la position devant, mais Gagnon-Renault qui, de son côté, fait tout ce qu'il peut pour garder cette deuxième position. Et honnêtement, il fait le travail. Gagnon-Renault qui était 9e au début de l'épreuve à 3 secondes, mais il ne concédait rien au meneur.
Bon, évidemment, dans la circonstance actuelle, en lutte avec les deux pilotes de 1 simulation, ben, concède là, 3 secondes à Guillaume Lévesque. Mais dans les circonstances, c'est quand même dans le rythme des meneurs. Et c'est Carbonneau maintenant qui est à 4 secondes derrière et Jean-François Godin qui fait la jonction. Cancion qui reprend son dû pour la 14e place. Pourquoi pas? Et là, oh, Merino est chantré. Oh, oh! Oh, Chantraine qui pousse Merino large. Je suis pas convaincu. Alors que voilà, contact en rétribution. Ah ben, Chantraine qui a un peu là, semé le résultat là, en venant coincer Merino au mur extérieur. Et il réplique avec la portière latérale. Et heureusement, pas de dommages pour les deux, outre un peu de tôle froissée. Et je suis certain là, quelques égaux qui vont s'en ressentir. Température dans la bouilloire qui a augmenté quelque peu entre les deux, alors que c'est une lutte pour la 19e place. Et ces deux-là vont s'emparer potentiellement d'une place là, devant Maxime Paquette, qui semble être de retour en piste. Et les 18e est toujours là, en rythme de course. Donc, semble avoir fait les réparations nécessaires pour demeurer dans l'épreuve. Et tu mentionnais la tôle froissée, Eric, mais justement, rapidement aussi. Je pense que les égaux ont été froissés de part et d'autre, donc... Voilà, c'est de bonne guerre, disons, pour la fin de l'épreuve, alors que le contact a été fait entre Turcotte et Godin. Attention, encore une fois, Gagnon-Renault en défense face à Gendron, qui ne peut tout simplement à rien faire face à la 488. Oui, et pendant ce temps, ben, Lévesque qui apprécie le spectacle, 3,3 secondes devant. Il risque d'avoir un petit peloton là, pour la 5e place de Carbonneau. Là. 1,5 secondes qui le sépare des deux voitures derrière. Il y a Turcotte qui est vraiment dans la boîte de vitesse de Godin. Est-ce qu'on force justement la numéro 5 à accélérer le rythme? Je pense que oui, là, 1 seconde d'écart maintenant. Il s'arrête ici. Oh, Carbonneau qui a complètement raté le deuxième horseshoe. Si je suis Jean-François Godin, bien évidemment, là, le potentiel d'un top 5 est génial. Et il est entouré de deux coéquipiers qui ont déjà eu l'habitude de collaborer et de rendre la vie difficile, là. Aux pilotes, on se souviendra la saison 6 à Indianapolis. C'était à l'époque la Daladra Turcotti, mais je peux vous dire une chose, en termes de collaboration dans l'aspiration, ces pilotes-là s'y connaissent. Et je garde un œil également, là, Boulian, Cancion. Et Godreau, est, là. Eric. Ouais, Godreau qui a fait du coup. Godreau qui a eu des problèmes. Ah, c'est, ouais. OK, c'est ce qui explique ce qui s'est passé, donc. C'est ce que je me demandais, parce qu'on voyait vraiment l'écart. Les deux Godreau qui se suivaient depuis le tout début de l'épreuve. Et finalement, on voit un écart tout à coup de... Je vois l'écart de 4 secondes 2, 4 secondes 3. Et on se fait rattraper justement par Boulian et Cancion. Donc, ça répond à la question effectivement de ce côté-là. Et attention, là, deux luttes là, dans le top 10 assez importantes. On va y revenir parce que ce sont des luttes qui devraient être importantes. Alors, attention! Wow! On a refermé la porte du côté de Gagnon-Renault et Johansson qui, je crois, était un peu surpris, mais... Encore une fois, contrôle de la voiture impeccable du côté de la 946. Fait le nécessaire pour éviter le contact et éviter là, d'endommager sa voiture avec moins de 4 minutes à faire. On peut dire 3 tours à compléter. Il faudrait voir avec Lévesque à quel moment il va franchir. Mais à mes yeux, si on inclut ce tour-ci, c'est 3 tours à faire. Donc, les occasions dans l'aspiration qui deviennent de plus en plus rares. Et Charon qui a presque fait la jonction avec Larouche pour le 9e rang également. Oui, Charon, 1 seconde d'écart. Et si je vois bien, Larouche là, qui vient de prendre un retardataire, donc ça l'aura évidemment, ça l'aura nuit un petit peu, mais ça aura nuit également à Charon. Surtout en plus à cet endroit-ci, vraiment dans le kink, là, on ne peut pas vraiment être deux de large. Il n'y a vraiment qu'une ligne de course, on est deux de large. C'est qu'on veut l'avoir, on veut tenter le deux de large, on n'a pas le choix. Donc on vient de perdre un peu de temps là, du côté de Charon, évidemment, là-dessus. Ça avait été 3, voire 4 dixièmes concédés à Larouche dans cette manœuvre. Et pendant ce temps, ben, on regarde le trio 2, 3, 4. Il y a le trio 5, 6, 7 également. On les voit au loin derrière. C'est pare-choc à pare-choc. Et là, je crois que malheureusement, Olivier, là, pour Pierre-Luc Godreau, ça a été encore plus compliqué puisqu'il n'est plus au 13e rang. Il a chuté 18e. Oh! Oui! Oh, et c'est pas en 4, je crois, qu'il vient d'échapper devant. Oui, j'allais dire pour le pilote juste devant, merci de confirmer que c'est bel et bien Maxime Paquette. Oh! Et c'est, ça va pas tellement mieux, malheureusement. Pas de la tabattue, M. Paquette, dans le horseshoe. Ça ne marche pas avec le train arrière qui décroche. Et attention, là! L'équipe SFTV contre Jean-François Godin, round 1. Et Godin va-t-il réussir le dépassement là-dessus face à Carbonneau? Carbonneau à l'intérieur, Godin à l'extérieur.
Carbonneau qui veut resserrer, mais Godin là, qui semble être bien positionné vers l'intérieur du horseshoe. Au freinage, Godin pour l'instant qui a l'avantage. Carbonneau par contre qui peut mieux accélérer, mais non, Godin qui va bien positionner la voiture et forcer Carbonneau au large va prendre la cinquième position. Et à quel prix, par contre, avec moins de deux minutes à faire, il ouvre la porte à la réplique, mais s'il peut se distancer et couper l'aspiration, pourrait peut-être faire un coup fumant. Alors que maintenant, la lutte est entre Savoie et Kansian. Ils sont deux secondes derrière Boulian. Il y a Johansson et Gagnon-Renault qui sont dans le même dixième de seconde également, alors qu'on a, je crois, deux tours à faire. Oui, c'est le drapeau blanc, le passage. Oui, le drapeau blanc qui va être donné dans quelques instants. Oui, on a pris Jandon, évidemment, qui veut se joindre à la lutte. Est-ce qu'il va pousser le 3 de large? Je pense que oui, Eric, on l'a le 3 de large, voilà! Ça, c'est à l'entrée du bus stop! Oh! Et ça, on s'en sort pour l'instant pour tout le monde, mais... Oh là là, c'était vraiment bien tenté du côté des deux pilotes en 1 simulation qui, pour l'instant, prennent les positions 2 et 3, prennent les deux marches inférieures du podium. Eh bien, on a calculé la manœuvre et Gagnon-Renault qui n'a pas eu le choix de concéder alors que Gendron va profiter de l'aspiration pour défier son coéquipier alors que le drapeau blanc va être affiché pour Guillaume Lévesque. Gagnon-Renault qui cherche l'extérieur. Pas d'espace à cet endroit. Ça fait du tout, là. On bloque en équipe, Eric. Donc, on va très large du côté de Gendron. Est-ce que Gagnon-Renault pourra en profiter, par contre? Et pendant ce temps-là, c'est Carbonneau qui va prendre la cinquième position. Attention, Turcotte, à son tour, va vouloir tenter la revanche sur Godin. Godin qui protège l'intérieur, semble sortir... Wow! Oh, ce qu'on a passé près du contact! Oui, on vient de sortir carrément une feuille du livre de Turcotte. Là, c'est ce qu'on tentait comme stratégie depuis le début de l'épreuve, ou du moins au début de l'épreuve face à Godin. On a bien appris, je dirais pas du maître, là, mais de celui qui était devant lui en début d'épreuve. Alors qu'on tente, attention, on positionne la voiture à l'intérieur face à Carbonneau. Et on suit cette lutte-là, mais également la lutte pour la troisième position, qui fait rage, alors que Gendron s'est éloigné quand même de son coéquipier. On est à une seconde de Johansson, donc l'aspiration, eh bien, elle a voté aux élections, Eric, pour le parti comme un petit oiseau. C'est pas mal terminé de ce côté-là. Et c'est avantage Gagnon-Renault à la course d'accélération, potentiellement, à moins qu'il fasse la manœuvre au bus stop. Et on va voir comment Gendron va réagir, referme la porte. Évidemment, Gagnon-Renault qui a bien à gérer là, comment il va maximiser son rythme. Carbonneau qui ferme la porte à Godin à l'entrée du bus stop. Et ces deux-là, attention, là, eux aussi, le course d'accélération. Pédale au plancher jusqu'à la ligne de départ arrivée. Ah oui, je pense que Turcotte en est bien sorti par contre de cette Carbonneau bus stop. Carbonneau qui lui donne l'aspiration! Oh, ce n'est pas terminé pendant ce temps-là. Voilà, victoire de Guillaume Lévesque ici à Daytona. Derrière, voilà, Johansson, Gendron, on a enlevé le pied du côté de Johansson. Oh, pénalité du côté de Gagnon-Renault, et attention, Carbonneau, 5 positions, et Turcotte, il a réussi le dépassement face à Godin. Ignorez ce que vous voyez en haut, ce n'est pas Johansson qui l'a emporté, bien évidemment, c'est Lévesque. Savoie va terminer en 8e place. Voilà, Rouche ici qui va terminer au 9e rang. Charon en 10e position, Benoît Meunier. Et lui est en 11e place. Très belle épreuve pour Meunier. On n'en a pas parlé beaucoup. Il a été une épreuve timide et honnête de son côté. Il ramène une excellente 11e place. Oui, parfois, c'est pas les épreuves où on est le plus présent qui vont être importantes. C'est celles où on va réussir à rallier l'arrivée. Du côté de Meunier, très tranquille. Ça aura fait la différence. On va chercher de nombreux points au classement. Bien joué de sa part. Alors que Savoie et Kansian, Savoie qui va pour la deuxième de la semaine consécutive. Quoi fait Kansian à la ligne d'arrivée? Oh! Et attention, là, c'est Paquette et Gaudreau. Est-ce qu'on a une autre photo finish? Pourquoi pas? Et je pense que Gaudreau a réussi, voilà! En utilisant le tablier. Ça ne prenait que quelques combats là, dans la deuxième moitié du top 20 pour aller chercher deux photos finish dans l'espace de quelques secondes. Et je crois qu'on a fait le tour là, des quelques dernières voitures sur le tour des meneurs alors qu'on ramène là, le top 20. Un autre presse, c'est ça, c'était entre... Bachelard, et je n'ai pas identifié malheureusement son adversaire. On a vu Brisson et Rousseau, suivi de Pichette et Gignac. Les deux qui auront fait. Et attention derrière, est-ce qu'on vient... Oui, c'est un photo fait de Sean Howard, Boulanger et Lafrenière, mesdames et messieurs. Mais quelle façon de terminer cette épreuve. Et on est encore en train de faire des clichés à la ligne de départ arrivée.
Oh, il va avoir de l'embouteillage dans la cabine de développement des photos à Daytona. Alors qu'on va consulter le classement, Olivier, là, évidemment. En fait, par Apex V2R. Enfin, voilà la pause auparavant, Eric, et après la pause, on va revenir. Donc, pour ce classement, on vous rappelle que vous regardez cette deuxième épreuve de la saison du Racing Challenge présentée par Apex V2R. Et nous voici de retour. Eric, encore une fois, deuxième semaine consécutive avec une épreuve où il s'est passé des choses du début à la fin, du haut à la fin de la grille. Et vraiment, on a eu droit à... Bref, je viens de le mentionner juste avant la pause. Plein de photos finish. Je pense que si on était à une certaine époque, tu mentionnais la chambre noire, là, je pense qu'elle serait surchargée de ce côté-là. Oui, et on peut dire là au niveau du classement final, c'est un retour du balancier là, pour Guillaume Lévesque qui, la semaine dernière, s'était vu là, privé d'une victoire là, dans des circonstances un peu fâcheuses. Enzo Johansson qui va aller chercher une grosse deuxième place pour les points au classement. Ça devrait techniquement le promouvoir au premier rang du général. On verra la mise à jour la semaine prochaine, évidemment. Et le podium qui se conclut avec Jean-Philippe Gendron qui termine devant Yann Gagnon-Renault. Ces trois-là, Johansson, Gendron et Gagnon-Renault, nous auront livré une lutte là, splendide. 8 positions gagnées pour la 488. Et on parlait de l'effet de la qualification. On a dit que si la 488 de Gagnon-Renault se qualifie dans le top 5, c'est pas la même épreuve pour Guillaume Lévesque. Non, en effet, c'est les deux vraiment qui avaient le rythme ce soir. Bref, je dis pas que les autres n'avaient pas de rythme, là, mais disons que si on avait à dire deux pilotes qui avaient plus de rythme par rapport aux autres, c'est Lévesque et Gagnon-Renault. Luc Carbonneau et Olivier Turcotte qui vont sauver une cinquième et une sixième position respectivement. On s'en sort bien dans les circonstances, malgré un arrêt qui aurait été peut-être un peu plus long qu'on l'aurait voulu du côté des deux pilotes SFTV. Godin, septième position. Lui, par contre, c'est une déception. Il sera déçu. C'est pas une déception, c'est quand même une belle performance, mais il sera déçu dans les circonstances alors qu'il avait la cinquième position et le top 5 il y a un tour. Un tour avant l'arrivée, on l'avait, donc c'est dommage un peu dans les circonstances, mais tout de même, un autre top 10 pour la numéro 5, qui va terminer juste devant son coéquipier. Olivier, faut pas oublier non plus, pour Johansson et Gendron, ils sont nouvellement coéquipiers chez A1 Simulation, donc ne vous fiez pas à Fuga Sim Sports, c'est l'ancienne appellation pour Gendron. Il est bel et bien avec A1 Simulation, qui font un 2 et 3 là, dans cette épreuve, donc un gros coup là, pour cette équipe dans le championnat par équipe. Et pour Godin et Savoie, également, on vient un peu sauver la donne avec l'incident de Boulian qui l'a relégué là, hors du top 10. Pour la Montréal Sim Racing, Larouche qui sauve les mains avec une très belle performance, 13 positions gagnées. C'était élancé là, au 22e échelon et termine dans le top 10. Évidemment, encore une fois, la qualification qui aurait pu faire toute une différence là, dans cette épreuve. Oui, et tu parlais d'un autre qui s'en est bien sorti, là, c'est Charon qui, malgré l'incident avec Turcotte, j'ai hâte de voir ce que la série va décider par rapport à ça. Est-ce qu'on va donner une tape sur les doigts de la 52 ou non? C'est à décider à voir, évidemment. Mais Charon qui, quand même, la ramène dans le top 10, a passé tout près. On a vu, regardez, 4 dixièmes d'être 9e. Donc, Charon, tout un pilote, là, on le voit encore une fois ce soir. Meunier, on le mentionnait il y a quelques instants, Eric, on va chercher donc la 11e position face justement à Gaudreau-Drapeau. Boulian également, qui belle remontada dans les circonstances également de son côté. Savoie et Kansian, je le mentionnais pendant la fin de l'épreuve, Eric, ça fait deux semaines consécutives où on est dans une situation où on se fait coiffer à la ligne d'arrivée par Savoie du côté de Robert Kansian. Donc, je pense qu'on commence à... on va vouloir une revanche éventuellement du côté de la 199, mais tout de même, on s'en sort bien. Par contre, celui qui va être vraiment déçu, là. On a 24 millièmes qui les séparent, mais je suis curieux de voir plus loin là, dans les autres photos finish. Quel genre d'écart on a eu droit, là? Et justement, un autre juste en arrière avec Paquette et Gaudreau. Paquette qui, lui, justement, sera extrêmement déçu, évidemment, de sa 16e position, alors qu'on avait bien fait jusqu'à, je dirais, aux deux tiers de l'épreuve. Après ça, eh bien, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Le moteur qui a explosé. Et je croyais que ces voitures étaient supposées avoir un limiteur de vitesse, du moins au niveau de la rétrogradation des vitesses, pour éviter ce genre d'incident-là. Et pourtant,
Ça arrive, donc je vais avouer que je suis un peu dubitatif, mais bon, les choses plus bizarres que ça sont arrivées évidemment dans le monde de la course automobile. Caleb Gaudreau, encore une fois, 17e place, un peu dommage, c'est doux amer de son côté, mais 10 positions remportées quand même. On a bien fait de son côté. Laurent Chantrain dans la 18e position face à. Donc on voit Patrick Bachelard juste derrière et Jean-Christophe Chantraine Charbon qui pour va compléter le l'instant, top 20. candidat au Hard Charger avec 16 positions gagnées. Voyons voir avec le reste. Oh, j'en ai 17 deux fois! Et oui, Dan Robert et Donald Lafrenière là, qui ont réussi à gagner 17 positions respectivement. Donc, Et je est-ce que pense que le point va Lafrenière, aller de ce côté-là, Eric. est-ce que c'est deux en deux pour Lafrenière? Je crois bien que oui. Il l'avait mérité. Ben oui, il l'avait mérité avec 21 positions gagnées. À Mosport avec Philippe Savoie, les deux points bonus. Mais dis-toi, Olivier, là, c'est 4 points supplémentaires en deux épreuves. Ça, pour un pilote comme Lafrenière, ben, c'est comme si on avait terminé 4 positions plus loin dans les points. Et lorsqu'on accumule ben, des points de 28e place, donc 2 points, ben, on vient de tripler le résultat. Exactement, donc c'est là où on voit l'importance d'avoir des grilles de 45-50 pilotes. Ça peut faire en sorte justement qu'on part dans les derniers, mais avec une course propre. Et Lafrenière et Robert, c'en est deux qui nous habituent justement à ce genre de course-là où on va avoir très peu d'incidents, on va éviter les bobos, on va pas courser nécessairement au-dessus de sa vitesse. Et qu'est-ce que ça fait? Bien voilà, on réussit à faire les top 30 dans une grille de 50 pilotes, à faire des points justement, à gagner des positions comme ça. Et c'est ce qui refait la différence pour ces pilotes-là. Pendant ce temps-là, on a beaucoup de pilotes là, qui ont perdu des positions. Je pense entre autres à. Regarde ça, Pascal Gaultier, encore une fois, course laborieuse pour lui. Georges Martinez, on s'est qualifié dans le top 10, je le rappelle ce soir. Et malheureusement, c'est l'abandon avec 7 tours à faire. Vraiment, on voit là, dans les positions, à partir de, c'est tous les abandons, à peu près à partir de la 37e position. Ça a été beaucoup plus compliqué pour certains pilotes, malheureusement, ce soir. Et voilà, même Danick Van Dale, Eric, toi, t'as moins suivi un peu cette série-là de ton côté, mais du côté du EGT Challenge, Van Dale qui se positionnait toujours très bien, et là, on semble avoir de la difficulté là, à revenir sur iRacing de son côté. Oui, ben une transition qui est toujours difficile. On l'a vu avec c'était William Lévesque à l'époque qui faisait la transition de EGT vers iRacing à chaque semaine. Donc, c'est pas surprenant de voir que ça prend un certain temps d'adaptation et plusieurs noms qu'on voit à l'écran. C'est une course à oublier. Andrew Caron qui s'est présenté un peu sur le tard et son abandon qui a été cumulé avec celui de Jeffrey Petriello après un incident à la sortie du premier horseshoe. Romain Faux, victime là, de l'incident au deuxième tour. S'est retrouvé dans le muret de pneus et sans avoir été percuté, là, simplement brûlé le freinage au numéro 1. Très malheureux là, pour un pilote qui avait une excellente qualification. Et ça, Olivier, ça veut dire une chose. À chaque semaine, non seulement la qualification est importante, il faut survivre et terminer l'épreuve. Et c'est des épreuves de survie, c'est ça le GT, c'est la nature même de la bête. Donc, ce qu'il faut faire, c'est compléter l'épreuve, c'est ramener la voiture à la maison. Et malheureusement, si on réussit pas ça dans des grilles de 45-50 pilotes, ça va être plutôt difficile. Maintenant, ça nous amène un peu à la semaine prochaine, Eric. Est-ce qu'au Red Bull Ring, on va vraiment avoir des grilles de 45 à 50 pilotes? En tout cas, je vais vous dire une chose. On a vu un temps autour à Mosport qui était tout juste au-delà de la barre de la minute. Au Red Bull Ring, on risque d'avoir des temps autour un peu plus élevés, mais c'est un très petit tracé où est-ce qu'il n'y a que 9 virages, si ma mémoire est bonne. Donc, il va y avoir beaucoup d'espace sur les dépassements. On pense au virage numéro 3, l'épingle. S'il n'y a pas du 2 puis du 3 de large dans ce virage-là, je ne sais pas à quoi m'attendre. La combinaison du 4 et du 5, on a vu dans Formule 1 un certain Lewis Hamilton qui a mis fin à la carrière d'Alex Albon, qui a simplement rentré en contact avec Alex Albon. En GT, ça risque d'être tout un défi. Le secteur médian, très sous-vireux cette voiture-là. Le dernier secteur, on parle de sous-virage, mais c'est le pire endroit pour en avoir. Ça va être difficile sur les pneumatiques, ça va être difficile de ne pas faire d'erreur. Un tracé évidemment tout frais, tout nouveau sur iRacing, donc. Est-ce qu'on peut dire qu'on part avec une clean slate là, pour la plupart des pilotes, alors que ça sera une nouvelle expérience pour tout le monde la semaine prochaine du côté de l'Autriche?
Voilà, donc un rendez-vous n'a pas manqué sur le coup de 20h30, c'est ça, sur les ondes de SFTV, votre référence Sim Racing au Québec. Troisième ronde de 12. Merci beaucoup de m'avoir corrigé, Eric, là-dessus. Donc, de 12 pour cette saison du iRacing Challenge. Si vous avez apprécié, évidemment, ce que vous avez vu ce soir, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. D'ailleurs, la VO2, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, sera disponible sur YouTube dans les prochaines heures. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir de ce côté-là. En mon nom personnel, Olivier Turcotte, ainsi qu'Eric Gondeau-Drapeau, qui est à mes côtés. Merci beaucoup d'avoir été présent, tout le monde. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre ronde du iRacing Challenge. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, tout le monde. Salut.